Bonjour à tous les mini-entrepreneurs. Donc moi, je m'appelle Régine Bosser, je suis en charge des mécénats culturels pour le compte du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Alors il y a deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est d'abord la responsabilité sociétale que l'on va privilégier, nous, pour nos mécénats. On va s'accorder à ce que nos partenaires, que sont les festivals ou les lieux culturels, développent par exemple l'accessibilité à toute forme de handicap. Donc il s'agit d'y penser dans votre activité de mini-entreprise également. Et d'autre part, on ne pense pas souvent à l'impact au quotidien de la responsabilité environnementale que l'on se doit d'appliquer dans notre vie d'entreprise, en dehors du produit que vous allez développer. Il faut aussi penser à tout ce que vous allez utiliser dans votre quotidien qui peut avoir un impact sur l'environnement. Je prendrai un exemple chez nous. Nous avons cessé d'utiliser des goodies avec du plastique. Donc tous les objets publicitaires que l'on va distribuer lors de nos événements seront entièrement faits de plastique recyclé ou de matières plus nobles, ayant un impact sur l'environnement propre et doux. Voilà un exemple. D'autre part, par exemple, en réunion, on va supprimer les bouteilles d'eau, on va privilégier les fontaines à eau en demandant à chacun d'amener son mug. Plein de petits gestes comme ça qui, sur la durée, vont avoir un réel impact positif pour notre planète. Alors j'espère que vous allez avoir ça en tête dans le développement de vos produits. Je vous souhaite à tous très bonne chance et on se retrouve en mai prochain pour la finale des mini-entreprises. À bientôt!